Bonjour tout le monde, donc ça fait plaisir de venir vous rencontrer ici. Donc je vais commencer mon discours avec mon histoire. Et donc je vais reprendre donc les notions, les phrases, les concepts de vie sur les droits humains, sur l'espérance, sur l'optimisme, voilà. Mon histoire, parce que voilà. Il a parlé des notions et des concepts, donc très chers à nous, même si les droits de l'homme sont bafoués depuis 70 ans en Palestine. Moi, je suis un citoyen palestinien, donc un simple citoyen palestinien, qui a choisi de résister et de rester attaché à sa vie. C'est très important, la notion de résistance, mais il faut être intelligent dans le choix de la résistance. Le contexte palestinien, c'est un contexte bafoué. Parce que nous sommes en train d'affronter pas seulement une armée d'occupation, mais une armée, un État d'apartheid, qui est soutenu par, malheureusement, par les États-Unis. Donc, la plus grande puissance internationale. Donc, les États-Unis et le gouvernement d'extrême droite israélien, ils s'en fichent des droits humains, ils s'en fichent de la justice, ils s'en fichent des décisions des Nations Unies et des décisions, donc, de conseil de sécurité. Donc la situation à Gaza, en fait, aujourd'hui, on parle du territoire palestinien. C'est vrai, l'État de Palestine, il était reconnu